Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac de Bar. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Simon lui répondit. Simon non. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques. Au point qu'elles s'enfonçaient. Quand ils virent cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus. Simon Petelo a mis boaki na se mabolongo na Yesu. Et dit, Seigneur, alobinkolo, retire-toi de moi. Longwa pene na ngai, parce que je suis un homme pécheur. Poetenga na za mosumuki. Car l'épouvante l'avait saisi. Poete kobanga eksimbaki ye. Lui et tous ceux qui étaient avec lui. Ye na banso bazalaki na ye longo. À cause de la pêche qu'ils avaient faite. Parole du Seigneur. Je dis parole du Seigneur. Comme nous le savons tous très bien, que en cette année, il nous a été donné un oracle très important de la part de Dieu, dont le thème était ou est recommence, car c'est le temps des alliances. Après avoir écouté cet oracle, nous avions dit ceci, que cet oracle était un message qui concernait notre destinée. Et qu'il fallait le prendre avec beaucoup de sérieux. Il fallait beaucoup travailler au point de comprendre l'ampleur ou la profondeur du message que Dieu a voulu nous communiquer. Après qu'il ait dit que c'était le temps de recommencer le temps des alliances, Dieu a ajouté encore
quelques paroles de consolation à son peuple. Nzambe abakisaki mwa maloba ya kubondisa motema epai ya bana. Il dit recommence car c'est le temps des alliances. Alobi bandela pozali tango ya boyoka. C'est comme pour dire que l'heure de la grâce a sonné dans ma maison. Ezayil ukpona kolobete tango ya ngolu ebeti na kati ya ndako na ngai. L'heure de la grâce a sonné dans ma maison. Ngonga ya ngolu ebeti na ndako na ngai. J'aimerais réconforter mon frère, ma sœur, et de te courager ce matin pour lui dire que depuis le temps où nous avons écouté cet oracle de la part de Dieu, l'heure de la grâce avait sonné dans cette maison. Naiko lendisa ndeko oyesa lembi ete uta tozwa lisakoli oy elobete ngonga ya ngolu ebeti na kati ya ndako yo APC. Personne n'a dit amen. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Je dis l'heure de la grâce a sonné dans cette maison. Ndako ngonga ya ngolu ebeti na ndako oyo. Il a en outre ajouté encore une autre phrase. C'est un passage des Écritures que nous connaissons tous très bien. Se trouvant dans le livre de Joël. Il dit, et mon peuple ne sera plus jamais. Plus jamais dans la confusion. Est-ce que vous êtes le peuple de Dieu? Amen. Est-ce que vous croyez que vous ne serez plus jamais dans la confusion? Amen. Oh là là. Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Est-ce que vous croyez du fond de votre cœur que vous ne serez plus jamais dans la confusion? Celui qui le croit, il acclame, il le croit. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nous ne sommes pas en train d'acclamer parce qu'il y a un candidat qui est en train de donner son projet de société. Non, nous acclamons parce que c'est la parole de Dieu. Elle est oui, amen, tout passera, mais sa parole ne passera pas. Et tout à l'heure, je vous disais que ce message concernait notre destinée. Alors, comment y parvenir? Comment est-ce que chacun de nous, X et Y, peut-il rentrer dans sa destinée? Voilà pourquoi il dit, recommence car c'est le temps des alliances. En d'autres termes, pour que chacun de nous puisse rentrer dans sa destinée, il est impératif que l'on puisse passer par l'alliance. C'est ce que ça veut dire. Ça veut aussi dire qu'il y a des alliances à faire si nous voulons rentrer dans notre destinée. Voilà un petit résumé de l'oracle. Et je vous prie d'acclamer le Seigneur. Alors, nous venons de lire là un texte très important dans Luc chapitre 5. Dans ce texte, Christ vient rencontrer l'apôtre Pierre. Nous avons eu à présenter l'apôtre Pierre. Un audacieux, un curieux,
C'était aussi un homme intelligent. Parce qu'il a su dire à Christ qui il était. Et les clés du royaume des cieux lui ont été données. C'est comme ça qu'au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, il s'est mis à parler aux gens qui étaient venus pour entendre les disciples comment ils priaient dans d'autres langues. Alors 3000 personnes se sont données au Seigneur. Voilà le jour où cette prophétie s'est accomplie. Alors on lui dit qu'il est allé faire la pêche parce qu'il était un pêcheur. Je me dis en d'autres termes qu'il était à la recherche de sa destinée. Alors lorsque le Seigneur le rencontre, Simon Pierre lui fait savoir une chose. Simon Petelo a liébissi le dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Abimola kisibiso to sali butu mobimba kasi tozui elokote. Avant même qu'il donne cette réponse, il y a beaucoup toi pensa yano yango. Le Christ avait déjà anticipé cela. Christo esia bande kolobela makambo. Il lui dit avance en plein eau. Alobina ekende penza na mai mozindo. Alors nous sommes en train de dire que le fait que Simon Pierre ait travaillé toute la nuit ne suffisait pas. Tu bete le Dengue Simon Petelo ye salaki butu mobimba e koka kite. Il fallait plus que cela. Et sengela ki asala koleka o wana. Alors si tel n'était pas le cas, soki ezalaki bongote, le Christ n'allait pas lui demander d'avancer en plein eau. Christo engai ko senga ete akende na mozindo ya mai. Certes Simon Pierre, tu as travaillé toute la nuit. Il y a solo Simon Petelo au sali butu mobimba. C'était pénible. Et cela qui passe. Alors Dieu vient aussi te dire ce matin. Nzambe pe ayeko ebiso na tongo. Que tout ce que tu as fourni déjà comme effort. Makasi nyonso aussi au sali. Pour rentrer dans ta destinée. Pona kokota na bomoi oya bungisa pona yo. Sans succès. Aux yeux longati. N'était pas suffisant. Yango et coquité. Donc il y a encore quelque chose d'autre à faire. Je ne sais pas si tu es à la recherche de quoi. Je ne sais pas, de la délivrance ou de quoi. Je ne sais pas. Mais tu te dis, je fournis pas mal de force, je fais ceci, cela, je fais. Mais le Christ ce matin vient pour te dire que ce que tu as fait était bien, mais ce n'est pas suffisant. N'invite ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le temps, c'est qu'on a fait le temps, c'est qu'on a fait le temps, c'est qu'on a fait le temps. C'est comme l'apôtre Pierre. Le poisson dont il avait besoin s'est trouvé dans les eaux profondes. Et non au bord du lac. Je ne sais pas ce que peut représenter le poisson pour toi. Le poisson peut représenter ta délivrance, la guérison d'une certaine maladie, le mariage, l'onction, l'élévation, la prospérité, l'emploi. Je ne sais pas ce que peut représenter le poisson. Pour Pierre, c'était le poisson. Il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Le Christ lui dit non, tu dois avancer. Alléluia. Alléluia. Amen. Le message que nous donnons au peuple de Dieu ce matin est celui-ci. Bien que tu aies fait tout ce que tu as fait cette année, notre Dieu est profond.
Il faut le rencontrer dans la profondeur. Est-ce que vous entendez cela? Notre Dieu, il est profond. S'il faut le rencontrer, il faut aller avec lui dans la profondeur. Si hier les choses se passaient comme sur des roulettes, mais au temps, alors qu'il est, les choses se compliquent davantage. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, car c'est lui qui marchera à la clarté de sa parole. C'est l'heure de la profondeur. Toutes les choses se compliquent, c'est l'heure de la profondeur. Tu t'es battu comme tu voulais, avance encore, ce n'était pas suffisant. Ce que tu cherches se retrouve non sur la surface, mais dans la profondeur. Le vrai miracle se trouve dans la profondeur. Est-ce qu'on m'entend? Alléluia. Amen. Je dis bien le vrai miracle se trouve dans la profondeur. Avec Dieu. Alors quelqu'un est en train de se poser cette question. Comment y parvenir? Lorsqu'on parle de la profondeur, c'est bien, je connais la profondeur, je peux la définir. Mes référents au dictionnaire, la rousse, profondeur, oui. Mais comment est-ce que je peux y parvenir? Un prophète, est-ce que tu ne peux pas nous aider? Parce que moi, je fais ce que je peux faire. J'ai fourni de gros efforts. Mais comment je peux aller dans la profondeur? Alors, je vais vous proposer des choses toutes simples. La première des choses, alléluia, que nous devons savoir, c'est qu'il faut une parole de la part de Dieu. Voilà là où je rejoins le message de l'an 2017. Qu'est-ce qui a été dit? Le pasteur fait vivre pour et recommence car c'est le temps des alliances. Un autre message que la continuité. Oh là là. De faire vivre ta vision. Mateya oyo ya bandela zabatango angolu eza mateya musute yango eyende kokoba kaka oto bobaki mbuleleki ya kopesa bomoi na emoniseli na yo pona epimelo ya sika. Il y a une corrélation entre les. Ezana boyoka ni moko. Donc l'appel que Dieu nous lance est un appel à une autre dimension. Que ce soit le message de l'an 2017, que ce soit le message de recommence, c'est un appel à une autre dimension. En d'autres termes, Dieu veut nous dire ceci. Tu ne peux pas rentrer dans ta destinée en étant la même personne. Il faut que tu atteignes une autre dimension. Et là, il nous a proposé l'alliance. C'est un message à vie. Donc, toute notre vie, nous serons appelés de passer d'une dimension
dimension à une autre plus supérieure. Est-ce qu'on a compris? Alléluia. Amen. Alors, je parlais de la parole. Il nous a été dit ceci. Qu'un homme n'atteint pas une autre dimension par ses propres efforts. C'est une nouvelle révélation qui nous introduit dans une nouvelle dimension. Tu es encore en retard là. Tu rêves. Voilà. Et c'est comme ça que l'apôtre Pierre va recevoir une nouvelle parole. Et il est rentré dans une nouvelle dimension. Il n'a jamais vécu depuis qu'il est pêcheur. Parce qu'il a dû appeler ses collègues pêcheurs qui étaient là. Venez m'aider. Alors, Jésus ne voulait pas d'un Pierre un simple pêcheur, mais la pêche miraculeuse. Et là, il fallait une parole. Il nous a été dit qu'on ne peut pas rentrer dans une nouvelle dimension sans avoir reçu de la part de Dieu une nouvelle révélation. Je vous sens en retard. Si vous étiez connecté, vous deviez vous tenir debout en train d'acclamer. Ah bon, nous avons compris que le message de cette année, ce n'est qu'une continuité. Donc tout ce que Dieu cherche, hein, il attend de nous, c'est que nous rentrions dans une nouvelle dimension. C'est comme ça qu'il dit recommence. Tu as fait des efforts pour rentrer dans cette dimension, tu n'as pas pu, mais recommence. Parce qu'il fallait se poser la question, on va recommencer quoi? Hein? La tentative d'entrer dans une nouvelle dimension, n'est-ce pas? Comme on n'est pas encore entré dans une nouvelle dimension, maintenant on te dit, recommence. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Qui a compris qu'il acclame le Seigneur? Qu'il acclame beaucoup très fort. Bethlehem a beaucoup makas. Qu'il acclame beaucoup plus fort. Bethlehem a beaucoup makas si koleka. Comme tu n'as pas atteint cette dimension-là, alors recommence. Le quoi dans le continent et puis me le angoter, si ko bandela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut une nouvelle parole. Et Sengeli loba esika. Quand Pierre a reçu cette parole, tango Petro a dit loba yango, il a eu de poissons. Azui bambisi. Il a pris beaucoup de poissons. Azui bambisi ebele. Parce que toi aussi, yo pe lokola. Ce matin, na tongo, alors que tu es en train d'écouter cette parole, tango zoka li loba oyo. Dieu t'appelle à une autre dimension dans ta vie spirituelle. C'est fini la vie chrétienne superficielle. Et lorsque tu vas atteindre une nouvelle dimension, tout le monde va voir ça. Oh, je ne vous entends pas. Je dis tout le monde constatera cela. Parce que la chose que tu es en train de chercher, elle est liée à ta destinée. Le jour où tu vas la saisir, quelque chose change. C'est une grande porte ouverte à ta destinée. Oh là là, oh là là, je ne vous entends pas. Oh là là, je ne vous entends pas. Acclamons le roi des gloires. Oh, 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 oh. Tu dois atteindre une autre dimension. Pas être un chrétien normal. Ça doit changer. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris ça? Et la deuxième chose, et le quoi mi balé, c'est savoir lutter avec Dieu. Le premier point, vous avez Luc chapitre 5, verset 4. Donc, verset 4, Pierre a eu une nouvelle parole, une révélation. Il devait avancer en plein eau, verset 4. Mais ici, c'est savoir lutter avec Dieu dans la prière.
koyeba kobunda na nzambe na kati ya losambo. Bien aimé bandeko, la vie chrétienne bomo ya mokristo est une vie de combat. Eza bomo ya bitumba, c'est une vie émaillée de dures épreuves, des épines et des ronces. Ezali bomo oyo na kati na ngo eza na komekama, eza na banzube, eza na basende. Si nous ne sommes pas des hommes et femmes de prière, soki toza mibali pe basi ya mabondelité, nous serons toujours nous allons toujours être vaincus par les circonstances et par les puissances des ténèbres. Tokobana kolongama na makambo pe na nguya nyonso ya molili. Je dois vous parler d'un homme que vous connaissez tous très bien. Nous sommes dans Genèse chapitre 32. Nous n'allons pas lire Genèse chapitre 32. Il s'agit de Jacob. Dont le nom signifie usurpateur. Ces messieurs avaient usurpé le droit de Nes. Mais un jour, on nous raconte ici qu'il a lutté avec Dieu. Il a lutté toute la nuit avec Dieu. Et après, il dit à Dieu, je ne te laisserai pas sans que tu m'aies béni. Y a-t-il des gens qui peuvent prendre de telles résolutions pour chercher Dieu au point de lui dire, Seigneur, je ne veux pas lâcher. Ça peut me prendre le temps que ça peut prendre, mais je ne te lâcherai pas si je ne vois pas ce que je suis en train de chercher. Nami tuni soki za suna batolelo o akolo bana nzambe te nzambe na kotika yote atatangu le kindengeni na kotika yote soki na zuite eloko na zoluka. Pas de gens qui se fatiguent tout de suite là après avoir prié, c'est pas moi 2 3 mois, 3 ans, 4 ans, 5 ans qui se fatiguent, ils se lassent, ils disent non mais non, ça n'est c'est je suis foutu, c'est fini Seigneur, où es-tu? Est-ce que tu ne m'entends pas? Des gens qui sont prêts à lutter, je dis bien à lutter, je dis bien à se battre avec Dieu dans la prière. Ezate lokola bato o balembaka na bango soka sambeli sanza misa tombula mitano le binzame la tiki na ngai zo umela kasi nazola bato o bakoko bunda baso bunda na kati ya losambo. Et les résultats de cette lutte, pembano ya bitumba yango, de cet homme Isaac, ya Jacob, moto o Yakobo, est sorti un autre homme Israël, moto mosu abimai kati na ye kombo Israele. Un autre homme est caché au-dedans de vous. Il doit sortir. Il y a une vraie femme qui sommeille en vous qui doit sortir. Oh Dieu. C'est ça une autre dimension. Dans cette masse de terre se trouve caché le vrai vous-même. Na kati ya nzoto oya mabele ebombani na kati kuna yo penza ya solo. L'homme de la gloire, la femme de la gloire. Mobali ya nkembo, mwasi ya nkembo. L'homme puissant, la femme puissante. Mobali anguya, mwasi anguya. La femme de distinction. Mwasi abokesani. Pas une femme sur qui repose l'opprobre, non. Mwasi telikona esoni efandite. L'autre homme, l'autre femme qui sommeille en nous. Alléluia. Alléluia. C'est un homme, c'est une femme qui a dépassé les limites. Mobali oyo a bomba mikati na yo to mwasi oyo a bomba mikati na yo azali mwasi to mobali oyo a leka bandelo na ye. L'homme que vous êtes maintenant est limité. Moto oyo zalelo azana bandelo. J'aimerais que cette parole aille bousculer, toucher,
bouger cet homme, cette femme qui sommeille en vous, que l'Esprit vous dise, il y a en toi quelque chose qui doit sortir. Il y a en toi quelque chose qui doit sortir. Il y a en toi un homme qui doit sortir. Il y a en toi une femme qui doit sortir. La lingeta iloba oyo ekota kati na yo ekene ko ningisa moto afandi kuna po ete molimo santo alobelo ete na kati na yo esengeli moto moko to mwasi to mobali moko abima. C'est ça l'homme que la création tout entière attend. Wana ne moto oyo mokili mobimbezali ko zelaka. Il est dit ilobami que la création tout entière attend elle avec un ardent désir la révélation des fils. Le fils dont il a besoin, il est encore en train de sommeiller en ilobami ete mokili mobimbezali ko zela na posa makasi kotali sama ya bana bongo bana yango bazoluka bazozelaka wana bazandi ya kolala na kati na biso. J'aime bien ce que je vois deux fois dans certains films. Quelqu'un qui a été malade, qui a cheminé à l'hôpital. Dans son lit de malade, il meurt. Et puis on voit un autre lui-même sortir de lui. Vous avez déjà vu ça? Hein? C'est ce qui doit se passer. Yango esengeli salama. Siko na bomoi. C'est ce qui doit se passer. Yango nefo salama siko na bomoi. C'est cet homme là. Moto wana. Cet homme là. Moto wana. Devant oh là là, ah là là. Devant lui les portes vont commencer à s'ouvrir. Liboso na ye bikuke bando fongwa. C'est cette femme là. Eza mwa si wana. Qui va trouver grâce. Oya kozwa ngolu. Aux yeux de tout le monde. Liboso na banso. Oh. Parce que là tu as la grâce. Le message de Psaume 23 s'accomplit sur toi. Tu es accompagné par le bonheur et la grâce. Quand quelqu'un te voit, maintenant tu es digne d'être haï. Maintenant, les gens, quand ils te voient, c'est comme s'ils ne te voient pas. Ils ne voient pas ta misère. Ils sont insensibles à cela. Tes requêtes, tes dossiers passent inaperçus. Mais lorsque celui qui sommeille en vous va sortir, quelque chose se passera. Je dis bien quelque chose se passera. Tu ne seras plus la même personne. Le monde attend cela. Est-ce qu'on peut l'acclamer beaucoup plus fort que ça? C'est l'heure de nouvelles dimensions. Alors il dit, tu ne seras plus appelé Jacob, ton nom sera Israël, qui veut dire bien-aimé de Dieu. Alléluia. Oh. Et comme il est aimé, la Bible dit ceci, que lorsque l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Alors son grand frère ne pouvait plus lui faire du mal parce qu'il est bien aimé de l'Éternel. Mais le Jacob pouvait être tué. Son grand frère Esaü allait se venger. Mais maintenant il ne peut pas se venger parce qu'il n'a plus affaire à Jacob, mais il a affaire à Israël. Oh, je te dis ceci. Dieu veut te changer un nom. Dieu veut te changer de nom. La délaissée, celle qui était méprisée, en une femme considérée. Celle qui était délaissée, à une femme de distinction. C'est pourquoi je te dis, essuie tes larmes. Le problème, c'est la profondeur. Recommence. Recommence. Car c'est le temps de. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Est-ce que quelqu'un est-il en train de m'attendre? Et quand cet oracle sort, il me dit, fils de l'homme, cet oracle te concerne toi en premier. Et maintenant quand il dit le temps de la grâce, ça commence par moi. C'est le temps des alliances, ça commence par moi. Alors j'ai tenté de le faire. C'est ainsi que yango wana, il y a 48 heures. Et ça, micro, mi balé, le qui? Maman Yvette. Maman Yvette vient d'enfanter une très jolie fille. Abotis-moi la moi si tu toco. Oh Dieu. Zambé. Oh Dieu. Zambé. Oh Dieu. Oh. Ça va. Fidèle, bon Jésus est fidèle. Bon Jésus est fidèle. Bon Jésus est fidèle. Alors, bon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Le Dieu du sanctuaire est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est amour. Ouh, amour. Il est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Oh Dieu. Mon Jésus est amour. Oh Dieu. Il est fidèle. Levons nos voix et adorons le fidèle. Seigneur, disons-lui merci. Le Dieu du sanctuaire est fidèle. Le Dieu du sanctuaire est réel. Fidèle. Je sais qui est. Le Dieu du sanctuaire est réel. Je sais qui est. Le Dieu du sanctuaire est réel. Le Dieu de mon Père, il est fidèle. Le Dieu du sanctuaire est réel. Jésus est. J'entends, il est fidèle. Il s'est révélé comme étant El Shaddai. Le Dieu du sanctuaire est réel. Il est fidèle. 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 Mon Jésus est fidèle.
mon Jésus est mon Jésus est mon Jésus est Jésus. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle El Shaddai. Oh, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Si les temps passés ont couvert de honte, les temps à venir couvriront de gloire. Et maintenant, la gloire de Dieu rentre dans cette maison. Et maintenant, je dis la gloire de Dieu rentre dans cette maison. Oh, et maintenant, la gloire de Dieu rentre. La gloire. Que ceux qui ont besoin de miracles puissent recevoir les miracles. Puisque 21 ans après, 21 ans après, Dieu a visité son serviteur. Dieu a visité son peuple. Oh, à l'Éternel, Yahweh, à l'Éternel, na Yahweh. Oh, c'est le parcours d'un héros. On est resté unis l'un à l'autre. Toujours en train de servir notre Dieu. Quand les hommes se moquaient de nous. Oh Dieu. Il a fallu 21 ans. Je dis bien. 21 ans après, Dieu est intervenu. Le Dieu de la paix est réel. Alors si tu as besoin d'un miracle, ce matin, je te dis, vois l'homme qui est devant toi. Si Dieu peut faire ça, il peut aussi faire cela dans ta vie. Alors reçois ce miracle maintenant. Au nom de Jésus, recevez le miracle. Recevez le miracle. Il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose se passe ce matin.
quelque chose se passe ce matin. Oh Dieu. Oh Dieu. Zambé. Tu as besoin de croire à ce Dieu-là. Il ne ment jamais. Dieu est fidèle. 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 Il n'abandonne jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et les Écritures déclarent que les ténèbres ne régneront pas toujours. Oh, oh Dieu, oh Dieu, le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. Voilà le parcours d'un héros. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Asa et Lenki. Mes frères. Ndeko. Même quand tout va mal, faut pas abandonner le Seigneur. Il ne faut pas l'abandonner. Il ne faut pas se décourager. Nous avons tenu bon. Et 21 ans après, les cieux se sont ouverts. Je voulais bénir tous ces frères. Qui n'ont cessé de prier pour eux. Je voulais les bénir. Je voulais bénir ce frère-là. Qui a un ami médecin. Qui a un ami médecin. Tellement qu'il avait le fardeau. Il m'a fait venir dans sa maison pour que je puisse m'entretenir avec son médecin. Il s'est passé un déclic dans ma vie. J'ai compris que l'heure avait sonné. Il fallait chercher Dieu d'une autre manière. Il a été dit que Gary et Yvette ne peuvent pas avoir d'enfants. Est-ce qu'il a été arrêté? Yangonde et Kanama. Mais ça n'a pas été facile. Et ça là qui peut être. Donc on pouvait essayer tout ce qu'il y a comme technique dans ce monde, ça vouait toujours à l'échec. Donc on a comme Makamonyo Samayel et pour la cause moi na Ekoeko Simbate. C'est ce que le monde de ténèbres avait arrêté. Yangonde mokili molili et c'est Kanaki. Mais il avait oublié. Qu'un jour Dieu a parlé. Il a dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ils ont oublié que j'étais fils de l'APC. Et maintenant, beaucoup quand j'étais en train de prêcher, ils me regardaient. Mais tout ce qu'il dit là. J'avais la foi toujours dans mon cœur. 15 jours ça ira. Parce que je connaissais le Dieu que je servais. Alléluia. Je m'étais toujours dit, s'il peut m'étonner des grands oracles comme ça, mais c'est quoi un enfant? Alléluia. Et la petite fille s'appelle Pemwana ngwa mwasi ya kitoko Amelia.
Armilia. Qui veut dire Nicoloba. L'armée de l'Éternel. Ma pingana Yahweh. Dieu a une armée qui s'élève. Zamba zana ma pinga zali kotelema. Dieu a une armée qui s'élève. Zamba zana ma pinga zali kotelema. Alléluia. Et maintenant, Pesikoyo, vous qui étiez en retard, une bo ebaki ma mongote. Pourquoi? Pour la ligne. Non seulement que vous avez lu dans la parole de Dieu, on vous a parlé d'Abraham et Sarah, mais vous avez au milieu de vous un Abraham et une Sarah. Alléluia. Désormais moi et la fille que Dieu nous a donnée, nous serons un signe et un présage. Désormais, les femmes stériles enfanteront. Les grands miracles et les grands prodiges. Amen. On reprend de place et on acclame très fort le Seigneur. Amen. Vous aurez le témoignage pendant la veillée. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Amen. Quand certains couples, après 5, 3, 5, 7 ans, divorcent, mais nous on a tenu bon. Ce qui est babalani mususu. Bambola misa tomita no sambo balembi bakabwani biso tozeli tukumi baena moko. Je n'aimerais pas vous dire que ça a été facile, c'était pénible. Nakolo bateza ekipete, te za ekipasse. On a tenu bon. Toyika kimpiko. Et Dieu est fidèle. Benzamba za sembe. Oh Dieu. Nous allons offrir à notre Dieu. Je ne suis pas arrivé au bout de mon message. La silici m'a raté. Peut-être le dimanche prochain, je pourrai revenir. Peut-être. Tango mususu eyenga zali koya na kozongela yango. Tango mususu. Parce que j'ai envie de voler, d'arriver en Afrique du Sud pour voir ce bébé. Mais bon. D'un côté, de l'autre, je dois être avec vous et tout ça. Oracle. Et ne repartir qu'au mois de janvier, parce que si je partais maintenant, oracle, j'aimerais rester avec elle pour récupérer le retard, vous voyez. Amen. Nasa Kassenim. Nasa Kassi. On peut aller. Teo Kabelazame. Teo Kabelazame. Bola mwele kebele. Il est kebele. Bula mwili kebele, ili kebele,
Nazu initiative a kotanga bola munanzambe. Moko sima mosusu na vinangai. Kasi na kokiteo wele kebele. Nazu resolution kotanga bola munanzambe. Moko sima mosusu na vinangai. Kasi na kokiteo wele kebele. Bola mongo Bola moi Jehovah, Bola moi Yahweh, Bola moi Shama.